c'est vraiment vouloir, à la base, respecter ses coéquipiers, essayer de se faire plaisir entre nous. Je pense que c'est l'essence même du sport collectif. Partager ces moments en tant qu'équipe, avec des gars que tu kiffes, c'est ça qui est beau. Parce que si tu te retrouves avec des gars qui sont chiants, qui jouent perso, qui pensent qu'à leur gueule, là je dis non. L'état d'esprit de cette année, c'est vraiment, depuis mes 8 ans, 9 ans en équipe de France, c'est vraiment l'équipe qui m'a paru le plus solidaire. C'est paradoxal que l'année où on est le plus de joueurs forts, on est présenté la meilleure cohésion, mais peut-être que parce que c'est justement parce qu'on avait plus de joueurs forts. C'est dans la tête, dans l'imaginaire des gens, le fait d'avoir plein de joueurs forts veut forcément dire que tu n'as pas de collectif. Pour moi, ce n'est pas du tout évident. C'est, à chaque fois, de toute façon, il faut en construire un. Moi, j'ai eu des équipes avec pas beaucoup de joueurs forts et pas beaucoup de collectifs non plus.